Eliman Harlican, je suis homme de l'ex-Africa Leadership, Éthique, Gouvernance et Stratégie pour l'Afrique. Donc, je contribue également à cette initiative du RASA, qui pour moi est une initiative de souveraineté parce que elle invite tout simplement à ce que les Africains puissent s'organiser davantage pour réfléchir par eux-mêmes, identifier eux-mêmes leur propre agenda et également travailler ensemble dans la production de savoir qui rendrait compte mieux aux préoccupations et aux enjeux auxquels le continent fait face en ce moment. Donc, on a l'habitude d'avoir des regards sur l'Afrique qui sont des regards extravertis ou bien qui proviennent d'angles de vue qui ne sont pas véritablement imprégnés des réalités de l'Afrique ni de ses véritables préoccupations, parce que se faisant sur la base d'indicateurs qui relaient tout simplement un agenda, disons, qui n'est pas un agenda forcément africain. Et donc, il y a cette nécessité que les Africains se mettent à eux-mêmes identifier, à partir de leurs propres préoccupations, qu'est-ce qui est véritablement intéressant, utile et prioritaire. Et surtout, penser l'Afrique par eux-mêmes et également pouvoir donner un retour, donc une image aux Africains. À ce niveau-là. Donc, pour le rapport qu'on va faire sur le Sénégal aussi, ça permet à partir d'ici de pouvoir re-questionner hein, les stratégies, les visions politiques en train d'être mises en œuvre, mais également de pouvoir alimenter sur la base d'un paradigme assez différent, donc qui permet tout simplement d'assumer notre propre singularité dans le discours qui est souvent donc produit sur nous-mêmes.